William Poinkoumoui. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Miracle ce soir. La manifestation de la puissance ce soir. Guérison. Délivrance. Salut. Libération. Que cela soit confirmé dans ta vie au nom de Jésus. Pour tout ce qui est en ligne aujourd'hui, c'est un jour spécial. Un jour de grande foi. Partout. La puissance de Dieu vient sur ta vie aujourd'hui. Père. Merci pour aujourd'hui et merci pour ton nom. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu feras aujourd'hui, ce soir et partout ce soir au nom de Jésus. Confirme ta parole de puissance, ta parole de promesse, ta parole de prophétie dans chaque vie ici ce soir, là-bas et partout ce soir au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. L'agneau, nous parlons de l'agneau. Qui ôte la maladie, l'affliction, l'infirmité, qui ôte tout qui nous dérange. L'agneau de Dieu, qui ôte tout. Et ce soir, une fois encore, nous parlons de cet agneau, l'agneau pour ta libération, l'agneau pour ton salut, l'agneau pour ta délivrance et l'agneau pour ta libération totale. Apocalypse chapitre 5, verset 5. Apocalypse 5, verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Jean était de l'autre côté. Il a été élevé à la gloire en haut. Et maintenant, il y avait un livre qui a été scellé, qui devait être ouvert. Et il regarda sur la terre. Il regarda dans chaque génération qui avait vécu sur la face de la terre. Le Seigneur a regardé tout l'univers. Quelqu'un qui pouvait ouvrir les sceaux de ce livre. Parce que c'est le livre de notre rédemption éternelle. Et le livre qui contient la puissance, la manifestation du Seigneur pour tout le monde, dans l'univers. Et personne n'a été trouvé pour ouvrir ce livre. Ouvrir et libérer toutes les bénédictions qui sont dans le livre pour l'humanité. Pour cela donc, Jean, représentant l'Église là-bas, représentant tout le monde là-bas, voulant avoir la révélation, parce qu'il n'y avait personne pour ouvrir ce livre de la rédemption éternelle, Jean a pleuré. C'est le symbole des pleurs que nous avons enduré. Alors l'un des vieillards lui dit, ne pleure point. Et cela te parvient aujourd'hui. Le Seigneur te dit, ne pleure pas. Toutes tes larmes sont desséchées. Voici l'agneau de la tribu de Judas, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre. Et parce qu'il a vaincu pour ouvrir le livre, il y a la rédemption. Ici, il y a la rédemption pour le monde. Il y a la rédemption pour chaque génération. Et il y a la rédemption pour toi là-bas ce soir. Toutes tes chaînes sont brisées ce soir. Ne pleure pas. Tes problèmes sont résolus. Ne pleure point. Le salut est venu. Ne pleure point, la rédemption est venue. Parce que
Il a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Alors, voyons le verset 6. Verset 6 dit, « Et je vis, et voici, au milieu du trône, et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. » Il avait sept cornes et sept yeux, qui, la connaissance parfaite, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et il nous dit dans le verset 9, « Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne, l'agneau, tu es digne, le lion de la tribu de Juda, tu es digne de notre Rédempteur éternel. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Verset 10, il dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Tu régneras. Sur tes problèmes, tu régneras. Tu régneras sur tout ce qui te maintenait lié par le passé aujourd'hui. Parce que le Rédempteur éternel est venu nous donner la rédemption éternelle. Tu régneras. Et nous régnerons sur la terre. Nous régnerons sur la terre. Comme Dieu nous sort de la captivité, même aujourd'hui, et qui nous établit comme des princes qui régneront sur tous les défis de la terre. Nous allons continuer à régner. Je vais continuer à régner. Nous allons continuer à régner. Alors, quand nous serons de l'autre côté pour toujours, nous régnerons au nom de Jésus. Le péché ne régnera pas sur toi. La maladie ne régnera pas sur toi. Les mauvais esprits ne régneront pas sur toi. Les démons ne régneront pas sur toi. La malédiction du monde, la malédiction de l'ennemi ne régnera pas sur toi. Toutes ces malédictions, toutes ces mauvaises choses venant sur toi, mais ce soir, il y a un mur de séparation entre toi et la malédiction, entre toi et le mal. Au lieu qu'il ne règne sur ta vie, tu régneras sur eux. Pourquoi? Parce que nous avons la rédemption éternelle. Hébreux 9, verset 12. Hébreux 9, verset 12. Elle est entrée une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Ayant obtenu une rédemption éternelle pour toi, pour moi, pour lui, pour elle, pour eux, pour nous tous. Et voilà pourquoi le Seigneur t'apporte cette rédemption qui commence dans ta vie si tu n'as pas encore expérimenté cette expérience. Et elle va continuer ainsi de suite. Et je vois l'Esprit, la main du Dieu Tout-Puissant, qui est en train de détacher tous les liens de ta vie, qui est en train d'enlever tous ces biens du diable, de ton âme, de ton esprit, de ton corps. Je vois cela et je vois toutes les choses qui ligotaient tes pieds, toutes les choses qui aveuglaient tes yeux, toutes les choses qui ont bloqué tes oreilles, toutes les choses
qui t'ont rendu impotent, impuissant. Je vois la grande main de Dieu puissamment est en train de te délier ce soir. Et comme nous mentionnons le nom de Jésus, tu es libre. Je suis libre. Ce soir, je vous parle de l'agneau universel pour notre rédemption éternelle. Universel, cela veut dire que partout, en tout lieu, dans toute chaque communauté, partout tu es, n'importe où tu es là-bas, n'importe où tu es assis là-bas, l'agneau universel a apporté la rédemption éternelle pour toi. Je crois. Tu crois. Et tout sera clair, balayé de ta vie ce soir au nom de Jésus. Il y a trois points à considérer. Premièrement, notre rédemption par l'agneau pour le Père. Notre rédemption par l'agneau pour le Père. Il nous rachète pour le Père afin que nous puissions venir dans la famille de Dieu parce que notre rédemption a été faite par l'agneau. Deuxième point, la révélation par sa lampe pour notre plénitude. La lampe, la lumière qui luit, qui brille et qui nous donne la révélation pour notre plénitude. Troisième point, le règne du lion pour notre libération. Voyons le premier point maintenant. Premier point, notre rédemption par l'agneau pour le Père. Nous avons déjà lu Apocalypse chapitre 5 déjà, qui nous donne la rédemption, il nous donne le salut, il nous donne la guérison, il nous donne la rédemption éternelle. Voyons en 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 19. En 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19, on dit « Car Dieu était en Christ ». C'est-à-dire, parlant de notre réconciliation, et dit, c'est-à-dire, parlant du sacrifice de Christ, pour que tu ne le rates pas, c'est-à-dire, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu est le donateur de vie. Et nous avons été séparés de Dieu, celui qui donne la vie. Dieu est celui qui soutient la vie. Et nous avons été séparés de celui qui soutient la vie. Dieu est la joie de toute la création. Et nous avons été séparés de la joie de la création. Dieu est l'appui. Dieu est le berger. Dieu est celui qui prend soin de tout ce qui vit. Et tu as été séparé de lui. Mais maintenant, il dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Est-ce que je peux vous expliquer cela? Regardez Dieu qui est haut placé là-bas. Saint, puissant, fort, créatif. Et il est là-bas tout seul, mais toi, parce que tu étais un pécheur, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, nous sommes de différentes tailles et de différentes statures. Quelqu'un a la taille moyenne et quand il lève sa main, il ne peut pas toucher le ciel. Parce que Dieu est replacé là-bas. Et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Quelqu'un est même un peu plus élancé que la personne de taille moyenne. Et la personne élancée étend aussi la main. Et sa main n'arrive pas à toucher le ciel. Et nous regardons tous ceux qui sont sur la terre, élancés, très élancés même. Je n'ai jamais vu une personne aussi élancée que celui-là. Mais
aussi élancé qu'il soit, il lève sa main, mais il n'arrive pas à toucher le ciel. Peu importe sa taille, il y a des gens, ils ont le soutien de la moralité, ils ont le soutien de la religion, ils ont le soutien des sacrifices. Et ça les amène à être plus élancés que les autres. Tel n'est pas religieux, il est court, l'autre est religieux, il est un peu plus élancé, l'autre est philanthropique et il donne de l'argent aux gens, et tout l'argent qu'il donne aux gens. Et ça met un petit appui sur lui et il est un peu plus élancé que les autres. Mais il n'arrive pas à toucher le ciel parce que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et Jésus-Christ est venu et il dit, tu n'es pas assez élancé, tu ne pourras jamais être assez élancé pour atteindre le ciel. Alors, il tient ta main et lui est celui qui est le pont entre le ciel et la terre. Lui, il est sur la terre et il peut dire, mon Père qui m'a envoyé est toujours avec moi. Et il est aussi élancé que le ciel et il atteint le ciel à tout moment. Et la connexion entre toi qui est court, homme élancé, homme moyen, de taille moyenne, riche, homme ayant des possessions, la connexion entre Christ et toi. Il tient ta main et il tient la main de Dieu. Et ça, c'est comme ça et tu atteindras le ciel. C'est de cette manière que tu deviens assez élancé pour atteindre le Dieu de toute miséricorde et atteindre le Dieu de toute puissance. Celui qui est l'auteur et celui qui soutient la vie éternelle. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Et pourquoi? Parce que Jésus a tout porté, maintenant à travers lui, tous les péchés, toutes les transgressions, toutes les iniquités qui t'amenaient à être privé de la gloire de Dieu, tout est ôté maintenant et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et ce soir, je viens te dire que Christ, l'agneau de Dieu, est venu et il t'amènera à toucher la main de Dieu. Il t'amènera à te réjouir. Il va te réconcilier à ton Père. Parce qu'il est le seul lien entre l'humanité et le Père Céleste. Notre rédemption par l'agneau pour le Père. Cette rédemption est venue pour toi maintenant. Où suis-je? Où es-tu là-bas? Comme tu touches Christ ce soir, il touchera la main. Et il va toucher la main de cet homme et la main de Dieu. Et il va te connecter à lui. Et maintenant, tout le mur de séparation entre toi et Dieu est brisé. La réconciliation ce soir. J'ai dit réconciliation ce soir. Et la rédemption ce soir. Il est celui qui a payé le prix pour toi. Ta vie ne sera plus la même. Voyons ceci en 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas, il y a des choses que les gens ne savent pas. Il y a des choses qu'ils savent. Il y a des choses que tu connais qui ne peuvent pas t'amener à la rédemption. Je sais que 2 plus 3 égale à 5. Oh, grande connaissance, mais ça ne peut pas t'amener à la rédemption. Les choses que nous connaissons, dont nous sommes fiers, je sais, je connais la population de notre pays. C'est bon pour toi. Mais connaître la population de ton pays, ça ne peut pas te donner la rédemption, ne peut pas t'amener au ciel. Cette connaissance est bonne. Oh, je connais toutes les sciences qu'ils enseignent dans nos écoles. Oh, merci, bon pour toi. Il y a des choses que tu connais qui ne vont jamais te conduire au ciel. Mais il y a une seule chose que tu dois connaître. Et il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que
que vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous savez, quelque soit ce que tu connais, quelque soit la connaissance que tu as, quelle que soit l'institution académique que tu as fréquenté, même si tu transportes l'encyclopédie sur ta tête et tu connais tout cela sans connaître le Rédempteur, tu ne connais pas ce qui t'amènera à la joie éternelle du ciel. Il y a des gens qui disent, je n'ai pas du temps pour Dieu, je n'ai pas de temps pour l'Église. Parce que ce temps-là, je vais passer ce temps-là, quand je vais passer à l'Église, je dois étudier, je vais lire, je comprends. Mais toutes ces connaissances que tu obtiens, toutes ces lectures que tu fais là, toutes les études que tu fais là, toutes les études sur Internet que tu fais là, tout cela ne va pas te connecter à l'Éternel, mais la connaissance que tu as sur l'agneau, sur le Rédempteur, sur comment tu peux être réconcilié à Dieu. C'est sa connaissance qui te donnera la vie éternelle, la rédemption éternelle dans la demeure de Dieu au ciel. Alors il dit dans le verset 20, il dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Donc, peut-être tu ne le savais pas. Vous avez été racheté à un grand prix. Tu peux avoir toute la connaissance du monde, toute la connaissance des encyclopédies, et tu ne sais pas que tu as été racheté à un grand prix de l'esclavage. Tu es en captivité. Tu es encore dans tes péchés. Et lorsque, finalement, tu mourras, et toute l'encyclopédie que tu as étudiée, peut-être tu as une grosse tête, mais un petit cœur, parce que tu ne connais pas le Rédempteur, tu es enseveli et ton encyclopédie est ensevelie avec toi, et tu apparais dans l'au-delà et tu essaies de trouver ton chemin, mais tu ne connaissais pas le Sauveur, tu ne connaissais pas le Rédempteur, et c'est ça qui nous donne la rédemption éternelle, la réconciliation éternelle avec Dieu. Maintenant, quelle est l'utilisation de ce type de connaissance? Mais la connaissance que tu auras aujourd'hui, que l'agneau est mort pour toi, la connaissance que tu auras aujourd'hui, que Jésus-Christ est mon sauveur, la connaissance que tu auras aujourd'hui, que c'est Christ et Christ seul, qu'il n'y a personne d'autre dans l'univers qui peut te connecter au Dieu Tout-Puissant. Alors tu sais qu'il a payé le prix. Et dit, car vous avez été rachetés à un grand prix, donc glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Je loue Dieu, tu es là ce soir, que tu entends tout cela ce soir. Maintenant, tu connais la chose la plus importante et tu as la plus grande connaissance qui peut te servir ici sur la terre et te servir tout au long de l'éternité. L'agneau de Dieu, Christ, a payé le prix pour toi. Maintenant, la rédemption est venue pour toi. La réconciliation est venue pour toi. Et maintenant, Dieu aura un intérêt spécial pour ta vie. Ésaïe 43, verset 21. Le peuple. Que je me suis formé, publiera le peuple. Ils ne seront pas pour Satan. Tu ne seras pas pour Satan. Le peuple, il ne sera pas pour les rituels. Tu n'es pas pour un rituel. Le peuple, que je me suis formé, publiera mes louanges. Les louanges de Dieu vont occuper ta vie, occuper ton esprit. Parce qu'il t'a racheté et maintenant tu peux le louer comme ces saints qui le louent au ciel. C'est loin de Dieu, à lui appartient le salut, la rédemption, la réconciliation, la bénédiction. Et il nous a sauvés, nous a lavés de nos péchés et nous régnerons avec lui pour toujours. Et je dis amen dans ta vie. Deuxième point maintenant, la révélation par sa lampe pour notre plénitude.
la révélation par sa lampe, par la lumière. Jésus-Christ est la lumière du monde. Il est l'agneau, il est le lion de la tribu de Juda, le plus puissant, qui brise tous les jougs et détruit toutes les œuvres du diable. Et il est l'agneau pour le sacrifice, qui a été sacrifié pour tes péchés, pour mes péchés, et pour tous les péchés de tout le monde. Et il est la lampe, la lumière du monde. Il est celui qui envoie la lumière sur notre chemin. Et comme il envoie la lumière sur ton chemin, toute ténèbre disparaîtra de ta vie. Toute ténèbre disparaîtra de ta vie et tu sauras que l'agneau est venu maintenant, la lumière est venue maintenant dans ta vie. Et cette lumière va briller dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Psaume 109. Psaume 119. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Où pourras-tu être? Comme tu marches, qu'il n'y a pas de lumière. Tout est ténébreux. L'âme ténébreuse, esprit ténébreux, cœur ténébreux, la vue ténébreuse. Et il y a plusieurs fausses chaque jour sur le chemin devant toute personne. Voilà pourquoi nous, êtres humains, parce que nous n'avons pas la lumière de sa révélation, nous essayons de marcher dans les ténèbres et vous tombez dans ceci et vous vous levez. Vous marchez encore, vous tombez dans autre chose, vous vous levez, vous tombez encore et vous tombez à tout moment. Maintenant, par la révélation, par la connaissance, par ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et la lumière de Dieu, à partir d'aujourd'hui, la lumière Jésus-Christ, comme tu le reçois, il va te guider tout au long de ta vie. Toutes ces choses dans lesquelles tu tombais, tu te levais là. Et tu t'es blessé tellement. La marque des chutes sont sur toi. Les marques de la chute sont sur tes lèvres. Les marques, les traces de la chute sont sur ton corps. Les traces de la chute sont sur ton âme. Les traces de la chute sont sur ton esprit. Ça veut dire quoi? Ouais, quand quelqu'un a il tombe cette fois-ci, vous voyez la trace sur le visage, il tombe encore après, vous voyez les traces sur la main. Et tout le monde sur la terre qui n'a pas la rédemption, et la lumière et la lampe tombent tout le temps, tombent, et vous voyez les cicatrices sur leur langue. Les cicatrices sur leurs lèvres de la chute, les cicatrices de la chute sur leurs pensées, les cicatrices de la chute dans des maladies, les cicatrices partout. Mais maintenant, la lumière est venue. J'ai dit la lumière est venue. Et là où on tombait avant, maintenant, je ne tomberai plus. Toi, tu ne tomberas plus. Dis-le non, je ne tomberai plus. J'ai la révélation, j'ai la lumière, j'ai la lampe. Et je vois ce piège là-bas, là. Vous voyez? Il y a l'animal là-bas. Le lapin ne voit pas qu'il y a un danger. Ce qu'il voit, c'est ce que le poisson voit, c'est le ver. Il ne voit pas la meçon. Il voit seulement le ver. Et il saute. Et il va. Et il est tombé dedans. Parce que ceux qui ne voient pas, tout ce qu'ils voient, ah, c'est la douceur là-bas, ah, il y a le plaisir là-bas, ah, il y a l'excitation là-bas, tout ce qu'ils voient, oh, c'est la célébration là-bas. Et maintenant, la meçon du diable qui est cachée derrière, ils ne voient pas ça. Maintenant, je peux voir. Maintenant, je peux voir. Cette vue ne te sera plus arrachée. Proverbe 4, verset 18. Proverbe
4, lisons le verset 18, il dit, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Jusqu'au milieu du jour, verset 20, mon fils, sois attentif à mes paroles, sois attentif à mes révélations, prête l'oreille à mes discours. Pourquoi? Verset 21, qui ne s'éloigne pas de tes yeux, qui ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Voyons cela, ce que cette parole, ce que cette lumière, ce que cette lampe, ce que cette connaissance fera dans ta vie. Verset 22 dit car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout le corps. La santé pour tout le corps. Quand tu acceptes la lumière de vérité, la révélation de la vérité de Dieu, la lampe et la lumière dans ta vie, toute partie de ton corps va expérimenter la guérison et la santé. Et ce soir, la guérison et la santé. Mon frère là-bas, ma soeur là-bas, mon garçon, ma fille là-bas, la guérison et la santé viennent pour toi. Vous savez, tu ne dois pas dire que je suis surpris parce que je sais que Dieu est le Dieu de toute chair. Les témoignages qui se produisent. Et pour toi, va se joindre à ces témoignages ce soir. Moi, comme tous ces témoignages que j'entends, je vais donner aussi mon témoignage. Où es-tu là-bas? J'ai dit, où es-tu là-bas? Ça vient pour toi au nom de Jésus. Maintenant, écoutez ceci. Qui nous appelons un petit prince. Et ce petit prince, il était dans le coma. C'est que tout était terminé. Les docteurs ont dit, il est dans le coma depuis très longtemps. La vie est partie, c'est comme si la vie ne reviendra plus. Mais, peu importe là où tu es ce soir, et peu importe ce que la dernière parole citée a été, la vie reviendra. Et à ceux, les parents maintenant, se l'ont joint et ont confirmé le témoignage. Même que la vie était partie, la vie est maintenant revenue. Laissez-les qu'ils nous parlent pour que nous comprenions ce qui s'est réellement passé. Comment Dieu a ramené cet enfant du coma. De la mort même. Mon fils qui était mort pendant 4 jours par la prière de l'homme de Dieu est revenu à la vie. Gloire soit à on m'appelle Okon Parfait. Je suis là avec mon fils, Prince Will Okon, le seul fils de la famille. Il était tombé le 14 août 2022 au bord de la voie. Après quelques jours, il se plaignait de douleur. On l'a précipité à l'hôpital. Après tout le contrôle, les tests, ils ont dit qu'il y avait de saignement interne, intérieur. Et comme résultat, il a eu d'infections qui ont affecté tous les organes principaux. Il était à l'étape du coma. Il n'y avait plus d'espoir. Les docteurs ont perdu aussi d'espoir. Ils n'ont pas donné d'espoir. Mais nous avons d'espoir en Dieu. J'ai regardé mon fils. Et les docteurs ont dit que c'est terminé. Comment ça peut arriver? Quand j'ai demandé à l'enfant à Dieu, et Dieu m'a donné cet enfant. Il ne m'a pas donné un enfant mort, ni un enfant malade. Mais il m'a donné un enfant vivant. Et je l'ai vu dans cette situation. Je me demandais, mais je rends gloire à Dieu Tout-Puissant qui a amené Prince du séjour des morts sur la terre des vivants.
le 25, le premier jour de JCK de l'état d'Ondo. Au moment où le pasteur est monté au pupitre et on a pris le téléphone, on a mis à côté du lit de l'enfant, à côté de ses oreilles. Et après le dernier amen de l'homme de Dieu, après le dernier amen, tu vas t'examiner pour voir. Et tu verras que Dieu l'a fait. Et j'étais reparti, reprends le téléphone. Et j'ai vu que son pied bougeait. Il bougeait le pied. Il bougeait le pied. Et j'ai quitté. Le 26, c'était le vendredi matin. À 10h du matin, le docteur nous a appelé que quelque chose au-delà de la science médicale s'est passé. Et on s'est précipité vers lui. Et à ce niveau-là, voici Prince Will est revenu à la vie. Tous les organes sont revenus à la normale et fonctionnaient. Et nous rendons toute la gloire à Dieu que mon fils, qui était mort après 4 jours, par la prière de l'homme de Dieu, mon fils est revenu à la vie. Que gloire soit rendue à Dieu. Je suis avec ma famille. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand l'agneau de Dieu, Christ, notre Rédempteur, vient dans votre vie, tout va reprendre vie. Nous allons maintenant voir une autre personne, une femme. Cette fois-ci, Madame Ifonaya, comment elle a été opérée divinement par la main puissante de Dieu. Je ne vais pas vous raconter l'histoire. L'histoire sera plus douce dans sa bouche. Mrs. Ifonaya, tu as la chance, raconte-nous ton histoire. Je veux remercier Dieu. Dieu a fait une opération sur moi, sans hôpital, à cause de sa prière. On m'appelle Ifonaya Ozo. Je veux remercier Dieu pour le programme que le pasteur Kumuyi a organisé. Quand j'étais enceinte, 2-3 mois, j'avais fausse couche. J'étais allé faire de radio, on m'a dit que j'ai de fibromes. Quand j'ai visité la croisade mondiale de 6 jours, j'ai participé à la croisade et quand le pasteur Kumuyi priait, toute maladie, toute infirmité, quel que soit le nom, de la tête jusqu'à la plante des pieds, je commande, sors au nom de Jésus. Après le programme, j'étais sorti pour me mettre à l'aise. Ce que j'ai vu, quelque chose est tombé beau de mon corps. Quand j'ai regardé par terre, j'ai vu une grosse chose. Ce que vous voyez à l'image là, le fibrome est tombé. Dieu a fait l'opération sans couteau, sans hôpital. Quand je suis reparti à faire la radio, ils ont confirmé que s'il n'y a plus de fibrome dans mon corps. C'est pourquoi je veux rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Gloire à Dieu! Le fibrome n'est plus là maintenant. J'aurai mon bébé maintenant. Et je pourrai avoir mon enfant, je vais l'amener à l'église et me réjouir. Et je vais remercier Dieu pour ce que le Seigneur fait pour moi. Gloire à Dieu. Si tu sais que ton heure a sonné, je dis gloire à Dieu. Parce que cette parole, cette révélation sur Christ, sur notre Rédempteur, sur celui qui a payé pour notre rédemption éternelle. Et cela portera la santé à toute ta chair, ton corps. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Éphésiens chapitre 20, verset 3.
à celui qui peut. Ce soir, Dieu est capable. Dans ta vie, Dieu est capable. Sur ton époux, sur ton mari, Dieu est capable. Sur tes enfants, Dieu est capable d'ôter et d'enlever toute chose maléfique qu'on a déposée dans ta vie. Dieu est capable d'enlever toute chose au nom de Jésus. Maintenant, oh à celui, ce soir, à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons par la puissance qui agit en nous. Ce soir, cette puissance va agir en toi, dans ton cerveau. Elle va agir dans ton cœur. Elle va agir dans tes poumons. Elle va agir dans tes reins. Elle va agir dans tes os. Cette puissance agira en toi ce soir au nom de Jésus. Troisième point maintenant, le règne du lion pour notre libération. Le règne du lion, cela veut dire que l'autorité, c'est-à-dire la domination. Je veux que vous vous représentez quelque chose, un lion là-bas, et regardez tous les enfants et tous les lionceaux qui sont derrière le lion. Et l'agneau est là, devant. Et rappelez-vous, l'agneau est le roi de la forêt. Et maintenant, il y a un animal, un autre animal, et qui veut maintenant aller prendre un petit lionceau derrière leurs parents lions. Et il marche. Le lion, le roi de la forêt devant, sachant que l'autre animal vient pour prendre l'un de ses petits. Est-ce que ça peut arriver? Ce lion-là va bondir sur cet animal qui vient, et cet animal qui voulait faire du mal à l'un des petits lionceaux, cette chose est foutue. Ce que je veux vous dire, c'est que Christ est le lion de la tribu de Judas. Et toi, comme tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu as le petit lionceau derrière le grand lion universel. Et maintenant, il y a un petit reptile qui vient, il y a un démon qui vient, il y a un autre qui vient, qui dit, je vais arracher, et c'est toi en droite comme ça, jamais. J'ai dit jamais. Ça ne va jamais arriver. Satan ne pourra plus te toucher. Tous ces démons ne pourront plus te toucher. Parce que le lion de la tribu de Judas nous a rassuré de ta libération, la libération totale ce soir. Maintenant, tu es libre pour te balader et aller là où tu veux. Parce que tu es l'enfant du roi. Et la marque du Seigneur est sur ta vie. Et aucun malheur ne pourra t'arriver. Moi, aucun malheur ne pourra plus m'arriver. Le lion est tellement content de toi. Maintenant, tu crois totalement et complètement en lui. Il a payé le prix pour ta rédemption. Voyons Romains 8, verset 37. Romains, chapitre 8, voyons le verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Ceux qui placent leur foi en Christ et qui disent, je place ma foi en l'agneau, je place ma foi au lion de la tribu de Judas. Maintenant, tu régneras sur tout problème de ta vie. 1 Jean, chapitre 4. Lisons ici le verset 4. Un roi, 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Il dit, vous petits enfants,
Vous êtes de Dieu. Né de nouveau, enfant sauvé, enfant pardonné, enfant réconcilié, enfant racheté. Vous êtes de Dieu, petits enfants, et vous les avez vaincus. Ta nuit de victoire est venue. Vous les avez vaincus. Vous les avez de la mer. Vous les avez vaincus. Qui viennent de la forêt. Vous les avez vaincus. Tous ces esprits de la brousse. Vous les avez vaincus de la jungle. Vous les avez vaincus de la fosse. Vous les avez vaincus de l'occultisme. Maintenant, j'ai vaincu. Je les ai vaincus du camp de l'ennemi. Maintenant, tu les as vaincus. Tu les as vaincus. Ceux qui lançaient des maladies aux gens, tu les as vaincus. Vous les avez vaincus. Ceux qui envoient la pauvreté et les maladies sur les gens, vous les avez vaincus. Ceux-là qui viennent dans les rêves et qui te doigtent comme ça, et ils disent, tu seras aveugle et tu ne verras plus rien. Maintenant, tu as vaincu. Vainqueur. 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 Vous êtes de Dieu quand vous donnez votre vie à Christ, quand il vous réconcilie à Dieu, quand vos péchés sont pardonnés, quand ces choses sont vous êtes de Dieu. Tu n'appartiens pas à l'occultisme. Tu n'appartiens pas aux ténèbres. Vous êtes de Dieu, petit enfant. Parce que celui qui est en vous, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce que tu n'as pas dit amen à ça? Celui qui est en vous, c'est qui? L'agneau. Le lion de la tribu de Juda. Le vrai lion. Qui va briser les os de tout faux lion. Le diable fait semblant d'être un lion. Mais c'est un faux lion. Il cherche qui dévorer. Mais tu ne fais plus partie d'eux. Parce que le vrai lion est avec vous. Le diable a échoué. Il va échouer. Et il va continuer à échouer. Et partout tu es frère intouchable. Sœur intouchable. Monsieur invincible. Madame qu'on ne peut battre. Parce que maintenant Christ habite en vous. Toute autre puissance sont détruites au nom de Jésus. Et si tu veux être compté comme ceux-là, que l'ennemi, le diable, le faux lion du monde ne peut pas toucher, tu donnes ton cœur, ta vie à Christ. Et tu as l'assurance que peu importe ce qui se passe, tu régneras avec Christ. La tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. Tu ne veux pas rater ce privilège d'être de Dieu. Rappelle-toi, peu importe tous son péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est l'agneau de Dieu et tient ta main. Il tient la main du Dieu Tout-Puissant et t'amène. C'est lui.
assez lancé spirituellement pour atteindre sa gloire. Tu veux donner ta vie à Christ, le Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Judas, va te relier à Dieu. Et peut tenir la main de Dieu et te réconcilier partout où tu es. Tu lèves ta main et dis, je veux que l'agneau de Dieu ôte mes péchés. Je veux qu'il règne en moi, dans mon cœur. Qu'il règne dans tous les domaines de ma vie. Lève cette main. Que Dieu vous bénisse là-bas, partout où vous êtes, à la télévision, dans n'importe quelle assemblée, dans n'importe quelle assemblée. Voici ta chance. Touchez le ciel. Mais Christ veut te toucher maintenant et te relier au ciel. Lève cette main, lève cette main. Si tu lèves ta main, tu vas te mettre debout pour dire, Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te remercie. La lumière de la rédemption est venue. Et je prends cette... Lève-toi là-bas maintenant. Je me détourne de tous mes péchés, de toutes mes transgressions. Maintenant, je mets ma main dans les mains de Jésus pour qu'il me rattache, qu'il me réconcilie, qu'il joigne ma main à la main du Dieu Tout-Puissant. Toujours debout là-bas, toujours debout là-bas. Je vais prier avec vous, Père, au nom puissant de Jésus. J'amène tous ces gens-là qui sont debout et qui réalisent l'œuvre de leurs mains, les efforts de leur vie, et que leur justice de soi, que leur justice ne peut pas les amener à toucher le ciel, mais que Christ seul peut les réconcilier partout où ils sont. Je prie, Seigneur, reçois-les tous au nom de Jésus. Tiens la main de chacun et conduis-les au Dieu Tout-Puissant maintenant, au nom de Jésus. Tous leurs péchés soient pardonnés. Toute leur culpabilité soit ôtée. Toute condamnation soit ôtée. Et je prie. Que la rédemption éternelle parvienne à tout le monde maintenant. Confirme-le et écris leur nom dans le livre de vie. Et le plus grand demeure et reste en eux maintenant et les rende victorieux à partir de maintenant jusqu'à la fin de leur vie. Merci Seigneur. Nous savons que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. C'est fait. J'ai dit c'est fait. Toujours debout, conseillers sont là. Afin que nous puissions régler ceci. Et après ça, je vais prier. Et des miracles, les guérisons, les délivrances ce soir pour tout le monde. Gloire à Dieu ce soir, tu es racheté. Par l'agneau, toujours debout. C'est le moment de nous occuper des nouveaux convertis. N'importe où nous sommes, occupons-nous rapidement des nouveaux convertis. Ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Occupons-nous de ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur. Faisons-le rapidement. Faisons-le rapidement. Partout où vous êtes en Afrique, sur le champ de croisade où vous êtes rassemblés, occupons-nous de ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur.
N'importe où vous êtes, occupons-nous des nouveaux convertis, ceux-là qui ont levé leurs mains. Ne tardons pas. Soyons patients avec eux. Prenez les informations correctes qu'ils vous donnent. Vous n'avez plus rien à prêcher. Donnez-leur les fiches. Prenez les adresses rapidement. Faisons la même chose partout maintenant. Toujours debout jusqu'à ce que vous qui avez levé la main, restez toujours debout pour vous aider. Donnez vos informations correctes. Le pasteur va prier pour vous. L'église aussi va prier pour vous. Faisons-le rapidement. Comme le pasteur viendra, c'est un miracle pour vous. Ne négligeons pas ceux-là qui ont levé les mains. Occupons-nous rapidement de ceux qui
Il y aura le baptême le 12, partout. Mais le 6 déjà, il y aura le banquet des convertis. Baptême d'eau. Soyez avec eux. Occupons-nous. Partout où vous êtes, occupons-nous.
pour les autres, soyons en esprit de prière, en espérant la manifestation de la puissance de Dieu. L'homme de Dieu viendra pour la prière. Merci, pasteur. Gloire à Dieu. Miracle. Miracle. Puissance. Démonstration. Assurance. Ça vient pour ta vie maintenant au nom de Jésus. L'agneau de Dieu qui ôte toute maladie, tout péché, tout est à côté de vous. Et c'est le lion de la tribu de Judas. Il va détruire toute mauvaise chose de votre vie ce soir au nom de Jésus. Quand vous entendez ce nom, le nom de Jésus, et vous entendez le dernier Amen, l'œuvre sera achevée. Je le vois touchant votre vie ce soir. Je le vois vous délivrant et vous libérant ce soir de toute œuvre du diable dans votre vie au nom de Jésus. Levez cette main et imposez l'autre main là où vous avez le défi. Le miracle vient pour vous. La guérison vient maintenant. La délivrance vient maintenant. Levez cette main. Après la prière, vous devez vous examiner parce que ce soir, partout, il y aura miracle. Père, au nom de Jésus, nous te remercions, Seigneur, pour l'agneau de Dieu, pour le lion de la tribu de Judas, qui nous a donné la vie, la rédemption éternelle. Et dans cette rédemption, il y a la guérison. Il y a la délivrance, il y a le miracle, il y a la provision. Seigneur, je prie que maintenant, partout, manifeste ta puissance au nom de Jésus. Toute maladie, quel que soit le nom de la maladie, ou de l'infirmité, ou des douleurs, je vous commande, sortez au nom de Jésus. Seigneur, Dieu de la rédemption, Dieu de puissance, Dieu de miracle, viens dans chaque vie, touche chaque vie, révoque et renverse toute mauvaise chose de leur vie au nom de Jésus. Seigneur, je prie, l'œuvre de ces faux lions qui se baladent, qui tourmentent des vies, qui troublent des vies, qui amènent des malédictions sur des gens, je révoque tout ce qu'ils ont fait au nom de Jésus. Seigneur, je prie, guérison pour tout le monde, délivrance pour tout le monde, domination pour tout le monde. Ces yeux aveugles, soyez ouverts maintenant. Au nom de Jésus, sous oreille sourde, oreille, langue muette, soyez déliés au nom de Jésus. Folie, insanité, sortez au nom de Jésus. Ulcère, soyez guéris au nom de Jésus. Asthme, sois guéri au nom de Jésus. Cancer, cancer, sois guéri maintenant même au nom de Jésus. Ces objets maléfiques qui bougent dans le corps, je vous commande, sortez au nom de Jésus. Douleur au dos, au niveau des hanches, douleur au niveau des os, douleur partout dans le corps, soyez guéri au nom de Jésus. Seigneur, je prie que la paralysie disparaisse et ces os cassés, brisés,
écoutez la parole de Dieu. Soyez maintenant soudés, collés, guéris au nom de Jésus. Arthrite, vous êtes guéris au nom de Jésus. Éléphantiasis, ses pieds gros, l'hernie, fibrome et la bosse au dos. Que tout ce qui ne doit pas être là, je commande, sortez au nom de Jésus. Seigneur, la guérison partout maintenant. Miracle partout maintenant. À droite, à gauche, derrière, au milieu, devant, en ligne, à la radio, à la télévision. Miracle, guérison, délivrance. Seigneur, ton peuple va régner sur tout défi de leur vie. Confirme le Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Ton miracle est déjà là avec toi. Toujours debout, acclamez très fort le Seigneur. Acclamez très fort, très fort,